des gens qui souffrent d'insuffisance rénale chronique sévère. Ce sont des gens qui ont besoin de traitements intensifs sur des longues périodes. Advenant le cas qu'ils ne prenaient pas ces traitements, c'est des gens qui vont mourir dans les semaines qui vont suivre. Et je pense qu'il faut vraiment rapprocher les traitements le plus près possible de la population. Et ici, la population de la région de Papineau, je pense que c'est important qu'ils puissent les recevoir. Comme je disais tantôt, c'est le renforcement de notre centre hospitalier pour tous les régions du comté de Papineau. On peut pas... on est choyé. Il y a beaucoup de régions comme la nôtre ailleurs au Québec qui n'ont pas leur centre hospitalier et les services qu'on a. Alors aujourd'hui, là, c'est un renforcement, c'est une spécialité qu'on va donner aux gens de notre circonscription, du comté de Papineau, avoir un meilleur service et, comme on dit bien, un service de proximité proche de chez eux. Mais il faut lever notre chapeau à la famille Canet. Quand on a acheté le CT scan, M. Canet a donné beaucoup d'argent, sa famille a donné beaucoup d'argent, autant, et aussi participé à la levée de fonds. Alors, c'est des gens formidables, notre région.